Bon les frérots, la vidéo d'hier vous a assez plu sur Magali Berda et je vous avais demandé justement si vous vouliez une suite ou pas et dans les commentaires vous avez été énormément à me dire que oui, vous vouliez une suite. Du coup dans cette vidéo on va maintenant revenir sur le passage de Magali Berda dans l'émission Complément d'enquête. Je vous précise que je vais vraiment uniquement revenir sur la partie interview entre elle et le journaliste du coup. Évidemment si ce n'est toujours pas fait, allez regarder toute l'émission en entier, elle est vraiment bien faite. Ils reviennent vraiment en détail sur tout le monde des influenceurs mais nous on va vraiment s'attarder uniquement sur Magali Berda. Bref les refs comme d'habitude, lâchez-moi un like pour l'algorithme de YouTube pour que la vidéo puisse monter. Et maintenant, eh bien, bon visionnage. Bon les frérots, je vous remets juste un petit peu dans le contexte vu que comme je vous l'ai dit en intro dans l'émission, nous on va s'intéresser vraiment à la toute fin entre Magali Berda et le journaliste vu qu'il va lui poser énormément de questions sur Booba, sur le drama autour d'elle. En gros tout simplement toutes les questions que tout le monde se pose actuellement, et bien le journaliste va les importance qu'il dit vu que voyez on avait déjà vu ça dans le premier épisode sur Magali Berda, mais c'est pas pour rien que Cyril Hanouna possède des parts dans l'agence de Magali Berda. En fait c'est simple, si Magali gagne de l'argent, et bien Cyril gagne aussi de l'argent. Donc il a vraiment tout intérêt qu'elle vienne énormément dans l'émission de TPMP, du moins le plus souvent pour qu'on puisse parler d'elle tout simplement, ou même encore vous avez très bien vu qu'il y a énormément d'influenceurs qui viennent sur TPMP. Je sais que c'est assez compliqué comme explication mais je pense que vous avez vraiment compris dans le fond. Et le truc c'est que je peux vous dire même à 100% voire même à 1000% que c'est sûr qu'elle va revenir par la suite sur TPMP, soit pour donner son avis sur son passage dans Complément d'enquête ou même encore qu'elle revienne tout simplement pour être chroniqueuse. Et si jamais vous voulez même par la suite on fera une vidéo dessus. Bref, en tout cas voilà, c'est comme cette vidéo, elle a été assez courte mais ça a été vraiment la suite, l'épisode 2 entre guillemets ou 1 bis si vous voulez. En tout cas passez une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous avez plu. Lâchez-moi le like comme je vous l'ai dit pour l'algorithme. En tout cas, prenez soin de vous. Allez, bisous.